Bonjour, c'est Mogi. Coucou, c'est l'aspirateur. Coupeau, blep. Blop à loup. Donc c'est pour dire que j'ai pris cette vidéo exprès d'un jeu pour vous, parce qu'il y a eu deux vidéos où je parlais d'un jeu, donc c'est pour dire que voilà, que Mogi n'est pas vulgaire, que la série de jeux Koroku existe bien. Donc si vous regardez bien, ce jeu s'appelle Koroku, c'est une série de jeux qui était sortie aussi sur Nintendo 64, c'est PlayStation et peut-être avant, je sais plus. Et c'est que de la merde. Genre, ce qui était très drôle, c'est qu'il y a un magazine qui avait cité, ça m'avait profondément marqué, qui avait écrit dans l'un de leurs tests, le seul truc marrant des jeux Koroku, c'est de foncer dans le cul, ça, avec l'écrit, avec la lettre Q. mais la manière dont ça c'est écrit, c'est rigolo. Et non, le jeu, c'est extrêmement pourri. Non, mais vraiment, c'est pareil, le jeu. C'est comme à l'époque, c'est-à-dire quand on la gestion des collisions est assez pathétique, c'est-à-dire que quand on fonce sur un ennemi, t'as l'impression qu'il y a un mini champ magnétique déjà autour des adversaires, ce qui fait que on n'a pas besoin de foncer dans le vide. Enfin, c'est quand on se frotte à une espèce de couche invisible sur les bagnoles. Donc, les collisions est assez pathétique. Le jeu est très pourri aussi. Si, ça c'est la version PS2, c'est fort moche. Ah ouais. C'est assez pourri. Enfin, là on peut voir une super image d'un truc trop moche. Si les bagnoles sont cool. Les bagnoles sont fun, mais ça reste quand même moche. Enfin, je sais pas, il n'y a aucun effet dessus. Ils auraient pu mettre un peu de relief, genre au niveau de la calandre ou des phares. Même au niveau des décors, ça. Il semble que les musiques, elles sont débiles mais marrantes. Je sais pas, jamais entendu les musiques de jeu. C'était de Koroku. Écoutez, Koroku l'OST. Koroku l'OST, non, j'ai jamais pris. Donc un jeu fait par je sais pas qui, on en a rien à foutre, je pense. Non, oui, c'est tellement de la merde. Je crois que c'est un truc genre qui s'appelle D, un truc comme ça. Ou Koroku. Koroku. Oh là là, c'est le Mika. C'est Mika. Je vais sortir de Kinder Nerdo. Oh là là, comme nous avons été heureux. Je me suis tapé ça. Sora l'homosexuel. Donc là on peut voir la carte. Enfin là on a une brève vision de la carte de Koroku, donc l'espèce de monde où j'adore quand tu dirais pète-le. Koroku encore. Koroku. Koroku. Ah. Koroku. Koroku. Ah, Koroku. Comment on dit Koroku à l'envers? Kukoro. Non. Putain, on dirait qu'ils communiquent. Sur les écrans, il y avait deux bagnoles qui parlaient. Les voitures parlent dans ce jeu, c'est génial. C'est très réaliste. Putain, c'est trop laid. Si, j'aime bien le petit lapin là, ouais, sur le côté. Ouais, le petit lapin, moi aussi, il me fait kiffer. Mais c'est tout. Autrement, les voitures, sont fun, mais 30 secondes, quoi. Le jeu a l'air assez chiant. Ah ouais, non, mais ce qui est fort, c'est que toute la série est pourrie. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'ils s'obstinent. Enfin, c'est que les développeurs s'obstinent à en refaire d'autres. Croyant que c'est super, on va en vendre encore. Voilà, par contre je sais pas s'il y en a qui ont été vendus, si ça a été vraiment vendu ce jeu, ou si jamais c'est une putain de perte pour les éditeurs. Enfin, déjà c'est un petit studio qui le fait. Hein. Ah ouais, donc ça va être une énorme perte et ils s'obstinent comme des cons. Ils disent allez, faut encore faire un autre Koroku, on a perdu la dernière fois, et cette fois on fait un Koroku avec encore plus de bagnoles. Mais on va garder le même moteur physique. Et les mêmes collisions. Non mais c'est pas pour qui. Que c'est ça qui fait le charme de la série. Non mais si, moi je ferais ça, je ferais des voitures qui parlent, comme dans mon moteur 3D avec des vaisseaux qui parlent. Mais sauf que ce sera pas du repompage, ils connaîtront pas tous les cafés et toutes les eaux du monde. Il y aura pas les eaux minérales, parce que mon vaisseau, il sait dire répertorier tous les différentes eaux minérales, mais pas les eaux sources, parce qu'il y a pas assez de place dans le magnétophone. Dans le disque dur, parce que je suis trop con, j'ai pas acheté un disque dur trop gros avant de partir dans l'espace. Et sinon, quand il va dans l'espace, mon vaisseau, il sait pas ce que c'est l'hyperespace. Il s'est juste avancé dans les étoiles. Et j'ai oublié de savoir comment reculer. Je peux pas reculer. Je peux qu'avancer, mais c'est pas grave. Parce que comme je peux pas reculer, il peut faire avancer, et après il se met vers le bas et il se met à l'envers. Et je peux revenir comme ça. Mais sauf que ça me fait faire des loopings et je me suis vomi dessus. J'ai l'air con, parce que le vomi il vole dans l'espace. Non, le vomi, non. Un Koroku, un jeu de merde. Donc voilà, une belle merde. Je voulais vous le montrer pour prouver que cette série existe et que c'est culte. C'est culte pour moi, ça a toujours été culte. C'est Koroculte.